une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection Lego Marvel. Donc j'avais déjà fait une première vidéo, mais depuis le temps que je l'ai fait, il y a eu plein de nouvelles sets, de nouvelles boîtes Marvel. Donc pour Avengers Infinity War, Black Panther, et après il y en a encore deux à venir en juin pour Ant-Man et la Guêpe. Donc je vais vous montrer déjà tout ce qu'il y a dans ma ville en Marvel. Donc nous avons le Sanctum Sanctorum de Avengers Infinity War, les véhicules dans Civil War et dans Avengers l'ère d'Ultron, et la tour des Avengers. Donc là c'est mon quartier Avengers. Nous avons ensuite le Daily Bugle, puis après donc si nous venons ici, nous avons la petite voiture avec Coulson dessus, et là la petite voiture qui a été dans un set de Spider-Man. Ensuite nous avons ici Ghost Rider sur sa moto, et là la fameuse partie d'un aéroport dans Civil War, donc la bataille dans l'aéroport dans ce film qui était vraiment super bien. Ensuite il y a un petit peu du bordel ici, donc la tour d'Hydra, ça c'est dans Les Gardiens de la Galaxie 1, la base de l'AIM, les véhicules pourris des sets Hulk contre Hulk rouge qui était vraiment nul comme set, mais les personnages sont bien. Là il y a un petit vaisseau du Shield, là encore un petit truc de Captain, le pont Marvel et quelques Mighty Micro Marvel. Donc voilà, donc après si nous venons ici, nous avons déjà bah voilà le Rhino dans Ant-Man, pardon, dans Black Panther, avec là le rail avec le vibranium, un petit Quinjet du Shield. Après il y a l'Avenger des Avengers, le Royal Talon dans Black Panther, là la petite bon, il y a les motos Jarvis, ça c'est dans l'ère d'Ultron avec le bloc pour mettre Vision dedans. Encore un vaisseau du Shield, la voiture du Shield, le sous-marin de attendez de Crâne Rouge, ça c'est dans Gardiens de la Galaxie volume 2 pour détruire la planète de Ego. Ensuite nous avons le deuxième Milano et le premier Milano. Ça c'est dans Thor Ragnarok, le vaisseau du grand maître. L'hélicoptère qui était dans un set X-Men. Le premier Sanctum Sanctorum, mais juste l'intérieur. Le truc de la corbe de Nova. Antoinette. Quelques vaisseaux. L'arène de combat. La petite voiture qui était dans Spider-Man Homecoming. Des vaisseaux. Les trucs des Chitauri. La base du Shield. Ça c'est sur Nowhere dans Gardiens de la Galaxie 1. Le tank de Hydra. Donc voilà, il y a à peu près tout qui est rassemblé ici pour Marvel, et que dans la ville et un peu là-bas. Et donc après, si nous venons là-bas, donc là nous avons mon étagère avec tous les vilains Marvel, à part ceux d'Avengers Infinity War parce que j'en ai fait un petit coin. Donc là on voit tous les Octopus, donc là il y en a deux et le troisième il est là. Il y a un custom de Big Film de Venom, après il y a Hulk Rouge, Hyperion, Loki, Taskmaster, Eric Killmonger avec Big Killmonger normal, Ulysse Klaue, Crossbones, Taskmaster, Hobgoblin, Ayesha, Ela dans Thor Ragnarok avec son loup et ses gardes, le Grand Maître, le Shocker, le Vautour du film et le Vautour des comics, le Bouffon Vert. Un autre bouffon vert dans Ultimate Spider-Man, le Rhino, deux fois Crâne Rouge en tenue différente, le Mandarin, Yellow Jacket dans le premier Ant-Man, Ultron avec toute son armée, Electro, la Sentinelle, Modok là au fond, Deadpool, Magneto et Magneto, le Scorpion, enfin en gros ils sont tous là. Donc depuis 2012 j'ai acheté toutes les boîtes de Marvel, donc là j'ai tout. Et donc ils sont tous là. Et ensuite vous venez au cran d'au-dessus et nous avons tous les héros sauf ceux d'Avengers Infinity War que je vais vous montrer après. Donc là il y a un custom de la chose dans les 4 fantastiques. Donc là c'est une caisse où il y a un peu toutes mes pièces Marvel de pouvoir, les toiles et tout. Donc il y a Okoye, Nakia, tous les Black Panther. Il y a Thor aussi, là il y a Ant-Man en géant, en petit et en normal. Captain, le Hulk dans Thor Ragnarok, Hulk encore. Là il y a Thor en avant, il y a Black Widow, il y a Loki, il y a la Valkyrie, il y a le deuxième War Machine et le premier War Machine il est ici. Il y a Nick Fury, il y a l'agent 13, il y a le premier Doctor Strange, il y a aussi là tous les gardiens, Star-Lord,
Drax, Gamora, en deux fois, donc en tenue comme ça, et grise. Là, il y a encore Ant-Man petit avec les fourmis, Wolverine, Captain Marvel, Hawkeye. La première Hulkbuster de l'ère d'Ultron, ça c'est un costume. Quelques X-Men, donc là c'est des costumes de 4 Fantastiques et Cyclope. Sinon il y a aussi le vrai Cyclope Lego qui est là, Storm, Tigre Blanc, Nova, Point d'Acier, Luke Cage et tout. Donc là ils sont tous là les héros. Et donc là j'ai fait une petite coupure et on se rejoint dans mon coin Avengers Infinity Mode War. Marvel là, la voiture de Crossbones, le robot, le bateau, enfin un petit peu ici du bordel de cette Marvel. Et donc on arrive ici dans le coin Avengers Infinity War. Donc déjà ici nous avons Iron Man, Shuri, donc le gant d'infinité avec les 6 pierres parce que comme je vous ai dit j'ai tout. Donc là nous avons la UCS Hulkbuster qui est vraiment magnifique sur sa petite plateforme. Le mur du Wakanda avec le avec que l'obsidian, la nouvelle armure d'Iron Man, l'armure d'Iron Man exclusive. Nous avons encore Iron Spider, Black Panther, Vision, Falcon, Proxima Midnight, la nouvelle version de Captain America, Black Widow, Thor avec sa nouvelle arme Stormbreaker. La deuxième petite Hulkbuster, donc il y a la grosse, la petite là-bas et elle. Donc après j'ai fait une vidéo de comparaison, n'hésitez pas à aller la voir. Là il y a le Thanos de Avengers Infinity War. Il y a aussi Ebonimo, Gamora, la deuxième version de Doctor Strange, Star-Lord, Bruce Banner, les Outriders, Groot adolescent et Rocket. Le mini vaisseau des gardiens comme le Orange Kala avec la capsule des Outriders. Donc voilà tout le coin que je trouve plutôt pas mal du tout. Donc je vais Voilà, couper. j'espère avoir rien oublié sur ma collection Marvel. En tout cas, j'ai tout. Alors, il manquera juste du coup le set Ant-Man et la Guêpe qui sort le 1er juin. Donc, je referai une vidéo sur la collection Marvel. Et donc, on se retrouvera très vite pour ma collection Lego Star Wars. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à m'ajouter sur Instagram, sur Discord et faire un petit don sur Tipeee si vous en avez envie. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous. Salut, salut.